ocho y dónde se va la tarea de la reunión. Il y a des personnes dans le monde qui avant pensaient ne pas voir et ne pas être intéressées à Dieu, qui se disent peut-être que là il y a quelque chose pour moi extraordinaire. Hier soir, j'allais à une fête de mariage et une dame à mes côtés a dit à un jeune homme, elle est chrétien en langue anglaise, c'était américain. Et le jeune homme m'a regardé moi avant de répondre à la dame. Et il m'a dit, excuse-moi mon père. Je lui ai dit, ne soucie pas, donne la réponse de ton cœur. Et il a dit à cette femme, non, je peux me poser cette question. Mais après, qu'est-ce que je suis? Ce jeune homme-là venait d'une guerre, d'un militaire américain. Et je me suis dit, regardez un petit peu comme son expérience douloureuse l'accroche à la vie. D'avoir vu probablement des images terribles qui ont blessé son esprit, pose une limite dans cette confiance et dans ses dévoilements. Quel bon le cœur de l'homme aspiré à rencontrer la vérité de l'autre qui pour nous chrétiens est Jésus le Christ. Alors vous voyez que notre être ensemble, célébrer ensemble, devenir une famille ensemble, motivé par cette relation et ce partage, doit naître une authentique expérience où nous sommes préoccupés de bâtir ensemble un monde de paix, de justice et d'amour. Mais attention, attention, parce que ce monde de paix, de justice et d'amour, ça ne suffit pas d'aller dans la rue de Paris manifester. Nous ne sommes pas capables de bâtir cette relation d'amour, de justice, de rencontre dans notre propre maison, dans nos propres relations, avec nos parents, avec d'autres générations, avec l'étranger, avec celui qui a perdu son travail, avec celui, hélas, parfois, il n'a plus de quoi vivre et il s'en mauvais, avec celui aujourd'hui, trop souvent nous côtoyons, aussi très près du monde. Ce monde de justice, de paix et d'amour est donc la réponse. Comme Jésus, d'une manière active, il se livre pour que nous ayons la vie, à un témoignage de foi. Alors je dirais, il y a deux passages. Jésus, condamné à mort, il est livré. Un verbe passif, écoutez bien. Jésus, condamné à mort, il est livré. Il est passif. Et Jésus, qui donne sa vie, il se donne lui-même. Alors, vous comprenez, notre foi peut être dans ce catégorie, dans ce différentes catégories, dans ces différentes situations. Une fois résigné, je suis catholique parce que je suis en France, je fais ma première communion, je fais ma profession de foi, je vais à l'église aux enterrements, je vais à l'église au mariage. Voilà, on est livré. Ou une fois comme celle de Jésus qui donne la vie, qui nous sauve, il s'est livré. Il donne de son propre degré, de sa propre volonté, la force d'un acte responsable d'amour et de rencontre. Alors moi je voudrais souhaiter, parce qu'aujourd'hui, vu tout ce que doit bouger autour de l'hôtel, on ne peut pas faire une homélie trop longue, parce que les familles vont dire le père est un corps trop long, le restaurant est à pied, etc. Vous avez raison. Mais en même temps, deux choses très essentielles, très importantes. Choisir entre une foi résignée, insignifiante, comme souvent c'est le cas, la foi qu'on ne sait pas témoigner, qu'on ne sait pas dire, la foi simplement de la structure extérieure de l'Église, ou la foi que Jésus nous enseigne, la foi active par laquelle nous devenons capables de donner notre propre vie à la rencontre des autres. Célébrons donc
nous, l'Église, qui demande être un peuple vivant, le peuple baptisé, célébrons donc ensemble aujourd'hui la joie de la fête de la foi, demandant à l'Esprit Saint la grâce toute spéciale, toute particulière, de devenir le corps du Christ, un seul corps, uni et capable de partager cette essentialité par laquelle nous sommes nous-mêmes un don pour l'autre, un don les uns avec les autres. C'est comme ça que le Seigneur est présent et c'est comme ça que chaque fois que nous posons la question à quelqu'un, es-tu chrétien? La réponse ne sera pas tout simplement le doute, la tristesse du cœur, mais sera oui, parce que dans la résurrection de Jésus, j'ai rencontré l'expérience d'une vie qui me permet de venir debout et de croire non seulement à Dieu, mais aussi à moi-même et surtout à mes frères. Que le Seigneur vous bénisse, mes enfants, mes chers humains, ma chère Vanessa, mes chers frères et sœurs, tous les invités qui sont venus dans notre église aujourd'hui, dans l'action des grâces, continuons donc cette célébration.